Et salut les amis, c'est PFR Foot FR. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la Ligue des Masters sur PES 2018. On affronte aujourd'hui le Real de Madrid dans la Super Coupe des Champions d'Asie. Alors, voyons notre équipe. On va changer l'équipe. On va faire notre équipe type actuelle. Plan de jeu. Alors, Pogba au milieu, à place de Dark Space. Neymar et Totti, on peut pas les mettre. Anton Valencia, Ngie, Origi. Gourcuff, on le dégage à place de Odegaard. Et Dembélé également à la place de José Gomez. Alors à droite on met qui? Ouais, Lemar, Rashford. Ah ouais, Rashford à droite. Torres, Chandler, Hummels. Il va s'en aller. On va mettre Umtiti, le capitaine. Ça va être Mbappé, il mérite après ses très bonnes saisons. Et on va mettre Valencia sur le banc, entre guillemets, le long banc, à la place d'Areola. Allez, et on m'a demandé de redonner le numéro 10 à Neymar. Oui, Dembélé, on va lui mettre le 33. Et Dark Space, on va lui donner le 12. Voilà, José Gomez, non, pas le 8. Lemar, le 11. Ou le 27, c'est qui là? C'est Rashford. Voilà, Keita, Chandler, Rami, le 25. Valencia, le 4. Et voilà, c'est parti. On a changé les numéros et on y va face au Real de Madrid avec cette équipe type, car c'est un gros match, même s'il y a beaucoup de joueurs du Real enfin, actuel qui ne sont plus dans l'équipe là dans le jeu. Pour cette quatrième saison, on attaque la saison 4 avec le Paris Saint-Germain. On est en 2020, c'est la saison 2020-2021. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Et voici donc le Paris Saint-Germain contre Madrid. Ici Grégoire Margoton avec à mes côtés un vrai amoureux du football, Darren Tulette. Salut Grégoire, toujours un plaisir de commenter un match avec vous. Allez, c'est parti. L'arbitre On y va. Éclairez-nous d'arrêt. Vous voyez qui comme homme du match? Je dirais Sergio Ramos. Il joue souvent d'une surface à l'autre, mais tactiquement, il ne fait pas n'importe quoi. Au contraire, c'est vraiment très très bon. Oui, c'est bien possible. Il est une base indispensable à son équipe. Isco. Allez, ça va être difficile. D'autant qu'on a de nouveaux joueurs, enfin de nouveaux joueurs. Tu sais qu'il y a comme niveau. Il y a deux joueurs, Lemar ou Umtiti. On a tué. Mais Lemar, c'est un remplaçant de Neymar. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Allez, le ballon bien repoussé. Rashford pour Mbappé. Mbappé qui va pouvoir partir en contre. Il est sur le côté gauche. Le centre est capté par Keylor Navas. Il choisit la profondeur. Et leur jeu qui est signalé là. Pas grand chose, je crois.
Umtiti pour Théo Hernandez. Et ce ballon pour De Bruyne. De Bruyne, le centre contré, ce sera un corner. Ça joue à gauche. Le centre dans la surface. Ou le centre, la tête. À côté. Efficacité à l'arrivée. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Alors, je vais juste vérifier quelque chose. Voilà. C'est ça qu'il faudra que je change. Il relance côté droit. Il repique dans l'axe. Rashford vers Mbappé. La tête et l'arrêt du gardien. C'était un caviar au départ. Ils ont bien exploité l'espace derrière la défense avec cette balle piquée. Ils ont manqué de chance sur le dernier geste. Alors qu'on attend encore l'ouverture du score. Chandler qui récupère. Rashford. Ils peuvent contrer. La longue ouverture sur qui change d'aile vers Thomas Lemar. Bon, il fallait intervenir. Et ce sera une sorte un corner. Un corner pour Paris. De Bruyne pour le frapper. Ouh là là. C'était dangereux. Et ce sera une sortie de but. Sur cette intervention. Ouh, la touche en faveur du Real. Chandler. Ouverture vers le poteau de corner. On joue sur l'aile, il est servi. Ça peut être extrêmement dangereux. Alors, que va-t-il faire? Attention. Et la récupération. Ah non. C'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Et le corner là. Pour le Real. Ouh là là. Ouh. Le double arrêt de Lloris. Nouveau corner. Ah non, sortie de but cette fois. Marquinhos, Chandler. Le Paris Saint-Germain qui peut construire. Il écarte, il joue sur l'aile. Marcus Rashford. Le centre. Ah non. Casemiro. Et la mi-temps, sur ce score de 0 à 0. Les joueurs vont aller se reposer et à mon avis, ça va et leur faire le plus on va faire bien. Tourner. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses, on va faire pourraient, les choses vont se Haut de garde, en pointe, José Gomez. Pas de but, 0-0, tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Marquinhos, capitaine. Ensuite, on fait rentrer Keut. NJ à gauche. Il me reste deux remplacements. Les nouveaux joueurs. Valencia. Et Darkspace. On refait monter d'un petit cran. C'est parti. Allez. Allez, on est reparti. Mais les buts, c'est comme le ketchup. Au début, c'est coincé. Et puis après, il y en a partout. Et non, Keut qui ne va pas récupérer. Valencia, premier ballon bien joué. Il y avait de l'idée, mais le geste était compliqué quand même. Salé, qui est le premier sur ce ballon? C'est bien fait ça. C'est bien de... Ou attention! Et le bon arrêt. Quel timing, enfin, le bon contre. Isco.
belle passe lobée. Il est à distance de tir. Faute, oui, faute. Ah, oh, petite à faute venir. Là, légère. Alors, ce sera un coup franc à la limite de la surface. Attention. Ou la Lacazette, ils ont recruté. Et le ballon qui sort en touche, en sortie de but. Marquinhos. Keut. La passe dans la profondeur. Ah, Keut qui cherchait José Gomez. C'est bien la passe à 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. La Lacazette qui choisit le côté gauche. Aïe aïe aïe, et Lacazette qui ouvre le score pour le Real. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de faire son entrée en jeu. C'est fabuleux. Vers Dark Space. Et ça fait donc 1-0. Ce sera une sortie de but. Doit-il continuer à jouer de la même manière ou changer de tactique? Un pas d'angoisse, encore un ballon récupéré. Dirk Kuyt. José Gomez. Non. C'est osé. Voilà, c'est ce genre d'attaque qu'il faut tenter. Ils n'ont plus vraiment le temps de se montrer prudents, non? Indeed, Grégoire. Indeed, en effet. Il allonge. Oh, il l'a récupéré. Et le ballon pour Lloris. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené. Hernandez. Mais ça n'a pas suffi. Bonne lecture de la trajectoire. Odegaard, mauvaise passe. Philippe. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Alors, Darren, que pensez-vous de ce match jusqu'ici? Il concède beaucoup d'occasions. Allez, mais non. Un petit but et tout peut changer. Et ce ballon vers ses attaquants. Ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquilles. Umtiti. Allez, Torres. Keut. Torres pour Gomez. Ah, la faute de Torres. Du gardien Casemiro, ça joue à gauche, repiqué dans l'axe peut-être pour trouver la faille dans la défense. La défense est en sursis, ils s'en sortent pas mal sur ce coup-là. Ça manque de précision, dommage. Sergio Ramos. Aïe. Daniel Carvajal. Bien servi. Ah non, on n'y arrive pas, on se fait dépasser. Daniel Carvajal, il a de l'espace. Et ça peut, il tire. Et ce sera un corner pour le Real. Et on se rapproche de la défaite avec ce résultat. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Et voilà, la défaite 1-0 du Paris Saint-Germain face au Real de Madrid. Pas grand-chose, ils auraient pu gagner, mais ils s'inclinent sur la plus petite des marges. Ils ont fait quand même un match de bonne qualité. Malheureusement pour eux, il y a eu cette petite erreur en deuxième mi-temps et ils ont payé. Ouais, deux tirs seulement, on s'est fait dominer. Il n'y a rien à dire. Et on est dernier du groupe. On a encore une chance de remporter. Voilà, une défaite dans ce mois. Ibrahimovic est descendu à 86. Et là, on va jouer face à la Juve. Et on aura le trophée des champions également bientôt. Zlatan Ibrahimovic a rejoint l'équipe. Le retour de Zlatan au Real.
Ocampos, Bellerin, Carrasco. Alors, négociation. Oui, entre les deux épisodes, j'ai fait. Bon, Zlatan en prêt. On peut pas mettre un terme au prêt. Ocampos prêt. Et Bellerin en prêt. Alors, renégocier, je vais mettre une option d'achat. 16 millions. Et Bellerin, renégocier. 29 millions. Équipe jeune, voyons, note globale, Juan Manda, non, Morel, à la rigueur, mais non. Allez, ben on va jouer ce match face à la Juve. Et on va charger l'équipe 2. Sauf que il faut faire des ajustements. Alors Rami Kimpembe, Filtozinho à droite, c'est Valencia, Kite, Darkspace à gauche, Gourcuff non, en pointe José Gomez et Origi. Darkspace ici, mais plus haut. Clac. Tout là, là. Un peu par ici. On vire Gourcuff. Et on met NG. Et on a Zlatan également qu'on va mettre sur le banc. Dembélé, on va arrêter de le faire jouer. Odegaard, Odegaard. Où c'est qu'on peut le mettre? Ouais, après, tous les joueurs, c'est. Ouais. C'est compliqué, c'est compliqué. Neymar et Totti blessé un jour, ça va, ils seront prêts pour le prochain match, normalement. On va mettre Zlatan à la place de José Gomez. Origi est assez rapide, NG, Kuyt, allez. C'est parti, Zlatan a pris le numéro 9, très bien, c'est une bonne chose. Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier. On va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Une victoire peut-être dans cette Super Coupe de Champions. Ibrahimovic, qui a rejoint le club en prêt, va connaître sa première titularisation. C'est exact et ça va être intéressant de voir comment il s'intègre dans cette équipe. Le retour de Zlatan après plusieurs saisons d'absence. Les Bavards, on en a même manqué le coup d'envoi. Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre? Je vais peut-être vous surprendre, mais je vais dire Sami Khedira. En tout cas, il est très bon pour contrarier les attaques adverses et pour lancer des contre-attaques dans la foulée. C'est pas faux, il joue un rôle Rami, décisif. Bien joué, Darkspace. Ouais, c'était bien dans ah, l'idée, c'était la passe, vers Valencia, c'était dommage. Ou attention arrêt. Oh là, oh là là. Bien joué. Très fort, très loin, ça soulage. Allez, Zlatan pour Darkspace. Origi pour NG. C'est bien fait. Clinton NG. Et NG, non. Un long ballon vers l'avant. Bernard Leski. Il décide d'allonger le jeu. Mais je crois qu'il y a faute, c'est ça. Oh, c'est légère la faute alors. Oh, le bon ballon pour Zlatan. Ah, et Zlatan super qui perd ce ballon. Il y avait danger. Quelle passe.
Ouverture lumineuse. Ça peut partir en contre. Higuain qui choisit le côté gauche. Attention, Douglas Costa contré par Valencia. Et c'est Rami qui sauve ce ballon. Et qui redonne pour Valencia qui avait pris la profondeur. Et ce sera une touche pour Paris. Toulalan. Origi. Ou vers Zlatan, dommage. Le Paris Saint-Germain qui a souvent encaissé un but entre la 15e et la 30e minute de jeu, mais aujourd'hui c'est solide. Repiqué dans l'axe peut-être. Le bon dribble dans la profondeur de la tête. Ouh là là. Et l'arrêt d'Areola. C'était un arrêt extraordinaire. Ce ballon bien dosé. Engie sur le côté gauche. Était bien présent. La touche pour Paris. Toulala, le centre vers Aurier. Et Kite. Waouh, quel bel arrêt. Bernard Lesky qui a de la liberté. Il joue en profondeur. Douglas Costa reçoit le ballon. Costa. Ouh là 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 là, la frappe enroulée qui frôle le montant. Ah ça, ça tricote, c'est le genre de joueur qui peut faire la différence à lui tout seul. Le Paris Saint-Germain qui peut construire. Oh, Ibrahimovic, il allonge. Bonne intervention. Le ballon a franchi la ligne. Et la mi-temps sur ce score de 0 à 0. Le Paris Saint-Germain qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. Aucun but marqué, donc on en reste à 0-0. Et on est déjà reparti. Je suis sûr qu'on a assisté à quelques changements. Ça pourrait modifier le cours de Bernard Lesky. Oh yeah. La passe était parfaite, c'est du gâchis. Mais quelle vista là, quelle vision du jeu et ce petit ballon piqué en profondeur. Clairement, ils sont revenus des vestiaires avec l'envie d'attaquer. Ça promet du spectacle pour cette deuxième période. Valencia. Chiellini. Oh, Higuain. Higuain à droite, dans l'espace. Oh là là. Higuain. Les espaces que je donne. Oh, ben oui, t'as vu l'espace que je libère. Et ouais. C'est le contraire qui aurait été surprenant. Aïe aïe aïe, quelle erreur. Je fais le pressing trop là avec les défenseurs. C'est une volée extraordinaire d'équilibre. C'est sans doute l'un des gestes les plus compliqués à réaliser, mais il a parfaitement dominé son ballon. Zlatan. Ah non. Le jeu reprend, ça fait 1-0. C'est tout sauf une surprise de le voir marquer celui-là. Ça fait du bien à son équipe. Pjanic, la relance côté droit. Chiellini, c'est joué long. On joue sur l'aile, il est servi. Allez, Kimpembe là, qui se libère de la tête. Des défenseurs. Zlatan, Origi, Torres. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing à votre avis? Oui, parce qu'une petite passe en profondeur peut faire beaucoup de mal. Ça joue à gauche. Il tire. Oh, ouais. Et il marque. Là, je leur donne. Là, je leur donne. J'ai sorti le gardien. Et je me fais punir. La défense qui est passée au travers ou l'attaquant qui est exceptionnel? C'est clair, ils ont un vrai problème de défense aujourd'hui. Pourtant, ils sont nombreux, mais ça ne marche pas. Que voulez-vous? Il y a des jours comme ça. Le tableau d'affichage indique désormais 2-0. Le match était ouvert à 1-0, mais il devrait pouvoir défendre le avance maintenant. Allez, Dark Space. Ou pour Torres, c'est bien fait. Torres qui va pouvoir accélérer. Qui donne à Zlatan à côté du cadre. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Ça aurait pu faire, donc je ne sais pas passer loin. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Les duels s'enchaînent. Il écarte le jeu.
Rashford, Zlatan. Allez, tout là, là. Valencia. Valencia. Quelle solidité, bien joué. Et la touche pour la Juve. Le Paris Saint-Germain qui effectue donc un nouveau changement. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Higuain qui choisit le côté gauche. Marquisio. Oh, Higuain. La faute. Ah! Allez, le ballon pour Torres sur le côté droit. Dans les rounds. Il y a peut-être un coup à jouer. Dans les rounds, en retrait. On peut y aller. Oh, la frappe et l'arrêt du gardien. Et ce sera une touche. Touche. Il met le pied, ballon récupéré. Nouvelle touche. Tout là là. C'est dégagé loin. Filta Osigno. Tout là là. Marquisio. Long ballon dans le sens du jeu. Steiner. Ouverture vers le poteau de corner. Bernardeschi. Ça peut être dangereux. La frappe. Et là, ça va être le coup de sifflet final. Voilà, Paris qui sort par la petite porte en marquant quel seul point en 3 matchs. Deux défaites, un nul. Mais ils peuvent être fiers de leur prestation aujourd'hui. Ouais, fiers. On n'a rien montré. Voilà. On est quatrième. C'est la première fois qu'on perd, je crois, le. Enfin, qu'on finit quatrième. Offre de poste sélection nationale. Certaines équipes nationales vous ont proposé un poste. Vous pouvez poursuivre votre carrière en club tout en gérant une équipe nationale. Vous répondre à fin la fin. Vous venez disputer le dernier. Hop, Neymar et Totti qui reviennent. Que pensez-vous de la nouvelle recrue? Je sens que ça va devenir une pièce maîtresse de l'effectif. Il parle d'Ibrahimovic. Et on pourrait le mettre titulaire avec. Et comment il s'appelle, avec Mbappé à droite. Offre au manager, équipe nationale. Pouh. On garde la France. Hein. C'est clair et net. Voilà. Alors, salle des trophées, voyons. Coupe internationale, 1. 3 Ligues des Champions. 2 Super Coupe UEFA. 2 Ligue 1. 1 Coupe de France. 2 Trophées des Champions. Et... j'ai gagné qu'une seule fois la Super Coupe des Champions. Alors, négociation. Voyons. Autre club. Bellerin, 29 millions. Ok, ça passe. Ah, trop de joueurs. Trop de joueurs, trop de joueurs. Trop de joueurs, trop de joueurs. On peut libérer. On va libérer. On va libérer. José Gomez. Voilà. Je viens de le recruter, mais je le libère parce que je le sens pas. Et un autre joueur. Torres, non. En prêt à l'Atletico, attention. Hein. Erto. On le libère également. Clac. Thomas Hurtado. Je me souviens pas si Thomas Hurtado avait marqué un but. Mais si c'est le cas, vous l'aurez tout de suite. Alors. Bellerin. Voyons, montant du transfert, 29 millions.
claque. Vous avez recruté Bellerin sur le côté droit. Ça va être une pièce maîtresse. Et Ocampos. Claque. Voilà. Il nous reste 436 millions d'euros. Et voyons les numéros. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils sont où? Ah non, faut que j'avance d'un jour, je crois. Allez. Oui. On va diriger la France cette saison. Les Maras augmentent à 85. Trophée des champions. Et après, on a la Super Coupe de l'UEFA. On est désormais le manager de France. La lutte pour le titre en trophée des champions est sur le point de commencer. Exactement. Napoli a fait une offre pour Pogba. De nouveaux joueurs ont rejoint l'équipe. Je veux qu'on gagne tous les titres qu'on peut, y compris le trophée des champions. Alors, Pogba. Le Napoli. On suspend. Toc. Votre club. Oui, ok. Alors, on a trois joueurs qu'on peut recruter pour une option d'achat. Totti, y a Dembélé aussi, mais Dembélé, on va pas le garder. Et recrutement, on a du mal à recruter de nouveaux joueurs, c'est pas grave. Le plan de jeu. Clac. Alors, Umtiti, Pogba, Mbappé, on va le mettre à droite, on va mettre Ibra en pointe. Clac. Et Neymar, il va à gauche. Ensuite, sur le banc. Le banc, le banc, le banc. Tchouk, Lemar. Et NG. Après, on a Totti qui peut jouer aussi. Voilà. Bellerin. Là. On a trois joueurs sur le côté droit. Ocampos, Ocampos. Ocampos, Ocampos, Ocampos. Il peut jouer partout devant. Donc c'est une bonne chose. À place de Keut. Voilà. Je me prends 2 minutes pour faire ça. On sauvegarde. On va charger l'équipe 2. Et la remodeler déjà. Clac, changement, remplacement automatique, non. Et l'équipe bis, c'est donc Zlatan, Rashford, Origi. À gauche. À gauche, à gauche, à gauche. Ocampos. Ah, j'ai Totti aussi. Totti sur le banc. Chandler à droite. Rami Kimpembe. Filto Ozinho. Areola. Et Gourcuff, c'est Darkspace. Voilà. Ça, c'est l'équipe bis. Voilà. Ah, j'ai pas sauvegardé. Je l'ai pas sauvegardé. Clac, sauvegarder, hop, hop, et on va charger l'autre équipe. Niveau de forme qui est nickel. Allez, c'est parti. Gros match face à l'OGC Nice. Je vérifie l'état de forme. Mbappé, Ibra, Neymar, Torres, Pogba. On a aucun joueur avec la flèche en dessous. Allez, c'est parti.
s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. Bonjour, c'est avec bonheur que Darren Tulette et moi-même, Grégoire Margoton, allons vous commenter la rencontre d'aujourd'hui. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette rencontre. Le trophée des champions. Alors que résonne l'hymne national de la sélection. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Aller chercher plus loin, c'est un vrai buteur qui pèse sur les défenses et peut aussi donner des coups. Ah, bien joué, Bellerin. Oui, c'est un ah non. S'il a des jambes aujourd'hui. Le tac dans la surface. Le ballon s'en touche. Belle passe lobée. Et non. Torres, Mbappé. Quelle inspiration. Il est lancé. Bellerin, le centre. Ah, oh, et la tête de Neymar au-dessus. C'était bien fait, mais il manque le dernier geste. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. On est passé tout près d'une entame de rêve. En tout cas, ça va réveiller la défense adverse. Pogba. Ou pour Neymar, et l'ouverture du score de Neymar, 1-0 pour Paris. Ça pourrait être le tournant du match, un but importantissime. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Belle passe lobée sur l'aile. Bonne interception, il y avait danger. Oula. Marquinhos, Lloris, Umtiti. Ah non. Ce ballon bien dosé. L'interception, bien joué. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Il y avait de l'idée. Torres, là, Mbappé. Pour Zlatan. Ouh, Zlatan, dommage. Snyder. L'OGC Nice qui cherche l'étincelle. Longue ouverture en direction du poteau de corner. Pléa, bien servi sur le côté. Ça ne passera pas. Et Bellerin. Oh non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Oh, il n'y aura personne à la réception de cette longue passe. Ça joue à gauche. C'est bien donné. Une bonne course, mais au final, ça ne donne allez, rien. Torres. Ah, vers Mbappé. Non. Il avait danger, mais il a bien jailli. Le gardien loin devant. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Il écarte le jeu. Yang. Il y a peut-être un coup à jouer. Il a centré. Yang, bien repoussé. Attention, ça va revenir.
Et c'est bien défendu, Zlatan. Il tente de la jouer. Ou pour Neymar, c'est bien fait. Reçoit le ballon. Ça peut partir. Neymar sur le côté gauche. Il a l'air assez seul. Bien joué. Neymar qui centre. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Et la mi-temps, sur ce score de 1-0. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent l'avantage. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, et Umtiti, Pogba, non, en tête pour l'instant. Et ils essaient de repartir de derrière. Osiello, Torres, pour Mbappé, il choisit la profondeur. Vers Ibra, Ibrahimovic. Ah non, la passe était parfaite, c'est du gâchis. Ibrahimovic lui adresse un véritable bijou dans l'espace. Ça avait pris tout le monde par surprise. Et c'est récupéré encore une fois. Et Théo Hernandez, bien joué. Neymar. Ibra. Neymar. Pour Mbappé. Dommage. Dommage de gâcher l'occasion pareille alors qu'il y avait du monde dans la surface. Le centre aurait dû être beaucoup plus précis. Alors, on va faire quelque chose, on va faire rentrer Totti. Odegaard à la place de De Bruyne et Ocampos Wenji. Vu qu'on mène, on va mettre Neymar en soutien et à gauche, on va mettre Clinton Enji. Pour la vitesse, pour les contres. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Un long ballon vers l'avant. Young. Et le ballon est en retrait. La bonne défense de Pogba. Encore une touche. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires, c'est intéressant. Mbappé, il reste à distance. Neymar, ouh, pour Totti et Angie à côté. Oui, mais qu'est-ce que c'est bien fait, c'est superbement réalisé. Ça manque un petit peu de précision à l'arrivée, mais le geste est superbe. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Snyder, dans la profondeur. Pogba. C'est bien, il faut continuer. Mbappé. Come on. À ce stade du match, il n'y a plus hésité. Verengi. Dommage. Ah, Totti qui a failli récupérer ce ballon. Oh, Balotelli. L'OGC Nice qui essaye de construire. Il glisse le ballon en profondeur. C'est bien fait, ça. Cosiello. Pfff. Il cherche son coéquipier. Quelle passe. C'est reparti, ils peuvent contrer. Ah. Le bon tacle. Snyder. Oh, Balotelli. Cosiello. Bien joué, ça. Il décide d'allonger le jeu. Mbappé. Ça peut être extrêmement qui va changer d'aile vers Engie. Engie, la vitesse. Il est Clinton Engie. Clinton Engie. À côté, oh, encore. On a dû faire 2-0, ça. Oh là là, c'était chaud. À 2-0, ça aurait été quasi impossible pour eux. Je sais qui cherche l'ouverture. Un ballon intéressant. Bien
la frappe et l'arrêt de Lloris. Totti pour Hernandez. Pour Clinton. Clinton NG. Contré. Et c'est directement récupéré. S'il le trouve. Et la victoire de Paris dans ce trophée des champions. C'est fini pour cette rencontre. Voilà, ils y sont et on comprend leur joie. Bien sûr, c'est un rêve un jour pour tout footballeur de brandir cette coupe. Et ils s'en souviendront longtemps de cette journée, de ce match, de ce trophée, de cette gloire. Bravo messieurs, bravo pour cette coupe. Et la victoire un zéro. Et la Super Coupe de l'UEFA, ce sera face à la Juventus Turin. Fenerbahçe fait 9 pour Rashford. Vous êtes le champion en trophée des champions. Alors, voyons. Fenerbahçe, quelle offre nous font-ils? 15 millions. Il en vaut 23. Donc 18% de chance que ce soit accepté. Et bien les amis, merci à tous de m'avoir suivi. Et n'oubliez pas, restez comme vous êtes car vous êtes super. Bye tout le monde. On